Bonjour et bienvenue sous mon cerisier. Je viens d'aller chercher des courgettes chez mon voisin l'agriculteur. D'ailleurs, un de ces quatre matins, je vous le présenterai. Et avec ces courgettes, je vais préparer ma recette de timbales aux courgettes avec de la mozzarella et du jambon. Allez, on file en cuisine. Alors, je commence par faire revenir mes courgettes. Alors, j'ai pris 500 g de courgettes épluchées en petits morceaux. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Et donc, mes 500 g de courgettes. Je mets un petit peu d'ail en poudre. Et je vais laisser dorer en tout une quinzaine de minutes. Alors, je remue de temps en temps. Alors, je vais mettre une bonne cuillerée à café de 5 épices. Alors, c'est une épice que j'aime particulièrement. Et le 5 épices est composé donc de cannelle, de fenouil, d'anis étoilé, de clou de girofle et de poivre de Sichuan. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive. Un petit peu de sel. Et puis un petit mélange d'herbes. Alors, comme d'habitude, à votre convenance, moi j'ai mis du persil, de la ciboulette, un petit peu de thym et puis de la coriandre que j'ai hachée finement. Voilà, donc je vais baisser ma plaque et je vais laisser mijoter une dizaine de minutes pour que la courgette cuise et prenne bien les senteurs de tout ça. Et vous retrouverez la liste des ingrédients dans le descriptif de la recette. Thank you.
Moi, ça me semble super bien. C'est doré, c'est cuit. Donc, ça a mijoté une quinzaine de minutes. Donc, maintenant, on va passer à la suite de la recette. On va passer à la préparation de l'appareil. Alors, j'ai récupéré les 500 g de courgettes poêlées. Et là, je vais mettre mes 2 œufs que je vais fouetter. Alors, un petit peu de sel. J'en avais déjà mis dans les courgettes. Alors, je vais incorporer mes courgettes. Ensuite, alors, trois petites tranches de jambon blanc, donc que j'ai déjà mis en petits morceaux. Ensuite, 2 boules de mozzarella que j'ai également découpées en petits morceaux. Alors, je mélange le tout. Et je vais terminer par 50 g de chapelure fine. Donc, pour lier en fait. Bien sûr, vous retrouverez la liste de tous ces ingrédients dans le descriptif de la recette. Bon ben voilà, la préparation est terminée, donc c'est très rapide. Alors, j'ai préparé ma plaque. J'ai mis du papier sulfurisé. Et je vais mettre ma préparation dans des cercles ou dans des rectangles ou dans des carrés. Au choix de chacun. Après, c'est très joli en présentation, ces petites timbales. On n'hésite pas à bien les remplir. Soyons généreux. Alors après, moi, j'ai mis du jambon, mais vous pouvez mettre des dés de bacon, des dés de poulet, comme vous voulez, histoire de changer un petit peu la timbale. Je vais tasser un petit peu. Et voilà, c'est prêt. Donc maintenant, je vais enfourner. Direction le four. Alors, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés et ça va cuire 25 minutes. Et c'est parti!
Et voilà, c'est cuit. Maintenant, je vais préparer mes assiettes. Et bien voilà, mes petites timbales sont prêtes à être dégustées. Merci d'avoir suivi cette recette. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt. Et bien voilà, mes petites ballottines. Voilà, et bien voilà, mes petites timbales sont prêtes à être dégustées. Ah oui, non, c'est l'autre main, pardon, je suis vraiment désolée. Et bien voilà, mes timbales sont prêtes à être dégustées. C'est en décalé. Putain, c'est le voisin. Mes petites timbales sont prêtes à être dégustées. Elles sont belles. Et bien voilà, mes petites timbales sont prêtes à être dégustées. Pff, merci d'avoir suivi cette recette. C'était vachement bien.